Le centre historique de Matino est un écrin de merveilleuse beauté, enchâssé dans un paysage urbain unique. Les profonds horizons fusionnent avec la chaux des maisons, dans une dégradation des lumières et couleurs qui se reflète sur les allées pittoresques et tortueuses, caractérisée par la typique blancheur des pierres dépouilles. En se promenant dans les petites rues du Matino, il est facile de rencontrer les typiques architectures salentines, parmi lesquelles on peut distinguer des remarquables exemples de maisons à cour et les caractéristiques mignanes des balcons réalisés autrefois pour embellir les bâtiments de la ville. La partie la plus ancienne du bourg est située dans la place San Giorgio, où on peut admirer les symboles représentatifs de la vie religieuse de la ville et de l'ancien héritage féodal, représenté pendant des siècles par la famille des marquis del Tufo. La façade principale du palais domine l'entier paysage architectonique. Ici, on peut noter des modifications structurelles et décoratives apportées au bâtiment au cours du temps. Toutefois, l'art du XVIe et du XVIIIe siècle coexiste dans une élégante sobriété qui lie les anciens dessins de la loge au grand portail d'entrée, datant du début du XVIIIe siècle. Les espaces antérieurs, larges et monumentales, rappellent la grandeur de la famille del Tufo, qui a prospéré pendant l'âge moderne à Matino. Dans les écuries du palais, on peut admirer aussi des fresques. Sur les côtés, des mangeoires pour les chevaux sont bien visibles, et tout creux est décoré avec des cartouches et des ornements antiques. Aujourd'hui, le bâtiment est devenu un conteneur culturel de la communauté de Matino, focalisé sur la valorisation des disciplines artistiques. En effet, dans les salles du palais, il y a le MACMA, le musée d'art contemporain des propriétés de la commune. Le musée représente un des principaux lieux de recueil des poèmes d'herbes visuelles. Il présente aussi une salle qui révèle la magie de la micro-écriture. Très importante est la salle du musée dédiée au talentueux artiste de Matino, Luigi Gabrieli, directeur de l'école des beaux-arts de Parabita pendant des années et innovateur des systèmes didactiques dans le domaine des arts visuels.